60 hectares des champs de maïs cultivés à Tinké par la coopérative Noumbaya Mabalé de la chefferie de Bayeke, Luc Loulou, l'un des bénéficiaires que nous avons trouvé en plein activité ce 16 avril 2022, s'est dit satisfait de l'encadrement de Sa Majesté. Moami Mwendabantumunongo de Foua, grand chef de la chefferie de Bayeke, à travers la société coopérative Noumbaya Mabalé dans les domaines agricoles. Papa Loulou, l'un des coopérateurs, il y a Nyumba Yamabale. À Patouko, on a présenté ma résultat. Il y a Chamba Tulili Maïmouaka avec encadrement. Il y a semences, na maintenant. Il y a Fania, réduction et l'enfant. Opérative et tout l'été à semences. Kisha, tripata, en tout 2 tonnes et engrais na urée. Luc Loulou appelle les habitants de Tinké à s'approprier la grande vision du grand chef qui veut faire de son entité territoriale décentralisée un grenier agricole. Mais je pense du côté à Nyumba Mabalé, Aïna, ma promesse vaine. C'était une promesse réalisée. Tant il est de Toulaka, et je vais vous dire que je vais remercier ça. Karsi Kiembe Wakiembe, superviseur de la coopérative Noumbaya Mabalé à Tinké, établit un bilan positif des activités menées au bénéfice de la population. Et donc, beaucoup de coopérateurs vont se sentir intéressés et vont intégrer vision et grand chef. En gros, Kajir Fouanika, Mzuri, Mzuri Goutenki. Et nous remercions vraiment grand chef. Quoi, vision, mais au moins c'est un sentiment de satisfaction, de joie. En tout cas, que Dieu bénisse les grands chefs. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont impliqués pour matérialiser vision à grand chef. Pour la saison culturelle 2021-2022, la coopérative Noumbaya Mabalé a enregistré 295 membres actifs.